Nouvelle petite vidéo du soir, 20h12. J'ai entendu qu'il y avait du monde la PMR8. Donc je retente les appels. Appel de 14 FRS 3770, le département 17, la Charente-Maritime lance appel et repasse à l'écoute. Laisse tomber, c'est tout fermé ce soir. Ah oui, je vois ça. Et puis il est peut-être encore. Les gens sont peut-être encore à table. Hein. J'ai vu qu'il y avait une toute petite ouverture de propagation là. J'arrive à enclencher le relais du Marais Poitevin, mais là j'ai pour l'instant personne sur le PMR8. Bonsoir 3780, l'ami Eric. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Bah, affirmatif, hein. Moi ça y est, j'ai fini le gastro et je vais pas tarder à passer en position horizontale. Et je m'étais dit, tiens, comme il y a un petit peu de bleu sur la carte, je vais tenter ma chance. Mais bon, manifestement, ça sera peut-être un peu plus ouvert demain matin. Oui, bah en espérant, et j'ai pas vu la carte des propagations, donc voilà. Ok, mon ami Eric. Bah, en tout cas, oui, le relais, là, c'était un peu le bazar tout à l'heure. Hein. Je suis en train d'apprendre à me servir de tout ça. Mais ça a quand même servi pour que tout le monde arrive à s'entendre. Voilà, donc bah, ça a quand même fonctionné, mais maintenant, il faut que j'arrive à le faire fonctionner comme l'ami Michel. Je te retourne le micro, Eric. Ouais, bah, faut lire la doc et puis au bout d'un moment, ça va rentrer. Voilà. Ouais. Bon, ce qu'il faut surtout, c'est que tu aies une antenne dédiée, hein, parce que sinon, c'est toi qui es emmerdé et qui peux pas rentrer dedans. Ouais, tout à fait. Bah là, j'étais sur la X510 et puis sur deux fréquences différentes qui se rapprochent le plus possible au niveau du TOS. Hein, comme tu as pu voir, ça m'a permis quand même de le mettre en route. Sinon, bien sûr, avec la GP6 là, qui normalement devrait arriver bientôt, ça va me changer la donne. Voilà. Donc bah là, pour la petite info, là, j'étais en train de faire une petite vidéo là pour la chaîne avec la présentation de la station et. Et je voulais avoir du monde pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Et résultat des courses, j'ai réussi à t'avoir, tant mieux. Voilà, je te retourne le micro, Eric. Et puis, bah, en tout cas, les bonnes 73 aussi à l'ensemble de ton QRA. Retour micro. Ouais, merci pour le retour. Bah, l'ensemble du QRA il est extrêmement réduit ce soir, il n'y a que madame. Voilà. Et je vais passer QRX 2 petites minutes parce que j'ai le four qui sonne, là j'ai le pain qui est prêt, donc je vais le sortir et je reviens tout de suite. Ah, je sens d'ici, ça sent très bon. À tout de suite. Ouais, et ça va sentir le brûlé si j'y vais pas. Ouais, fonce. Alors, l'ami Eric se trouve de l'autre côté de l'estuaire. Donc, à peu près à. Oh oui. Une petite vingtaine de kilomètres du QRA. Voilà, il ne devrait pas tarder à revenir. Donc là, j'arrive à sauver la petite vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, quelques petits réglages au niveau intervalle, curseur, max et mini, max. Hop. 3780 de retour. Hop. Ok. 3770, allez, de nouveau à l'écoute. Ouais, et ben je pense que ça va être vite fait, bien fait ce soir. Bah exactement, là je finis la petite vidéo et puis après je passe en QRX à côté. Là, je reste quand même à l'écoute, mais à mon avis, je pense que pour ce soir, ça va être le calme au complet. Voilà. Ok Eric, bah merci de ce petit QSO rapide. Je te souhaite un bon appétit. Bah oui, non, tu m'avais dit que c'était fait ou pas encore. Maintenant, il va falloir que je fasse un peu plus attention. J'étais concentré sur d'autres choses dans la station, donc voilà, je pense que oui, tu m'avais dit que je crois que c'était réglé et que tu allais passer au 144. Donc bah moi je te souhaite les bons rêves en couleur. J'ai eu la méandrée juste avant toi.
Et puis lui aussi se demandait pourquoi il n'y avait personne sur la fréquence, là, sur la fréquence des Alfa Romeo. je lui ai dit, à mon avis, soit ils sont à table, soit devant la tente Victorine. Voilà, je te retourne le micro là pour souffler la chandelle là pour la fin du petit QSO. Retour Eric. Ouais, ok François, merci pour le retour. Bah écoute, je te souhaite une très très bonne soirée. Oui, les AR, à cette heure-ci, il y a plus grand monde hein, sur la fréquence habituelle, voilà. Mais bon, en plus Daniel prend la route demain matin, donc je pense qu'il ne va pas se coucher tard non plus. C'est le seul à veiller un petit peu de temps en temps, hein, mais je pense que ce soir, ça va être vite réglé, voilà. Et bah écoute, je te souhaite une très bonne soirée. J'envoie les bonnes amitiés aux écouteurs, et puis bah, à bientôt sur la fréquence. Voilà, demain matin, propagation prévue. Maintenant, est-ce qu'elle sera là, est-ce qu'elle sera pas là? Le mieux, c'est de se connecter pour le voir. Allez, bonne soirée François, à bientôt. Ok, merci Eric, à très bientôt. Je pense que c'est ce soir à partir de 22-23, il doit y avoir un petit peu de montée de propagation. Voilà, c'est en train de monter progressivement. Je verrai ça demain. Je te dis bonne nuit à toi et à très bientôt. Bye. Ciao. Voilà, c'était l'ami Eric, la 3780, du côté de l'estuaire de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, là dans le département du Médoc. Je souhaite les bonnes 73 à l'ensemble de mes abonnés et ceux qui vont bientôt le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que si demain la propagation est là, j'irai faire un petit. Une petite expédition avec la directive de fabrication OM ainsi que le Eniton. Donc un petit essai éventuellement en PMR et éventuellement en DMR, canal public en numérique. En vous souhaitant à tous et à toutes une excellente soirée, une très bonne nuit et à très bientôt, peut-être à demain pour une prochaine vidéo. Ici, c'était 14 FRS 3770, le département 17, la Charente-Maritime. Qui vous dit à très bientôt. Au revoir.